Le lion s'éveilla. S'éveilla. Immobilisa. Immobilisa. It's old French. Do you understand? Yes. Go on. La souris sous sa patte. Que veux-je de toi? Demande-t-elle à la souris. I can't go on. Sure you can. I'll do it for you. Listen to my voice. Un jour, alors que le lion dormait, la souris, sans faire attention, marcha sur l'une de ses pattes étendues. Aussitôt, le lion s'éveilla et immobilisa la souris sous sa patte. « Que vais-je faire de toi ? » demanda-t-il à la souris. « Si tu me laisses partir, » répondit la souris, « un jour, je te le revaudrai. » L'idée que la souris puisse lui rendre service paraissait tellement étonnante au lion qu'il la laissa s'en aller. Quelques jours plus tard, des chasseurs capturèrent le lion. Ils l'attachèrent avec une corde afin de pouvoir le transporter le lendemain. Cette nuit-là, la souris, qui repassait par là, vit dans quelle malheureuse situation se trouvait le lion. La souris, sans y être invitée, lui rendit service comme elle l'avait promis. Elle rongea la corde de ses petites dents pointues et libéra le lion. And you see the moral here? Read that to me. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Do you know what that means in English? It means little friends may prove great friends. I think that should conclude our lesson for today. What do you think? Yes, I'm hungry. Well then, perhaps we should ask Edith to fix you some food. Shall I ask her on my way for you? Yes. I'm very impressed with you, you know. Just think back to the first day we met. Quite an improvement. No, it isn't. Yes, it is. It's going to take time. But you will arrive at where you are headed. I will make sure of it.